Mes chers amis, bonjour à tous et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo atelier où je propose de réaliser ensemble un mât de beltane. Avant de commencer celui-ci, qu'est-ce qu'un mât de beltane ou beltane également? Qu'est-ce que l'on célèbre exactement? Rassurez-vous, je répondrai à toutes vos questions dans la vidéo qui sera dédiée au rituel du sabbat que je vais réaliser le 1er mai. Mais je vais vous faire une sorte de petit préquel pour que vous sachiez exactement qu'est-ce que beltane. Et c'est une fête qui est extrêmement importante dans la pratique d'une sorcière ou d'un sorcier. En effet, Beltane se célèbre du 30 avril au 1er mai, incluant la nuit de Valpurgis entre les deux, et on dit que c'est la nuit des sorcières. Exactement comme Samhain, car si vous regardez sur une roue de l'année, on peut voir que Beltane est la fête en opposition avec Samhain. En effet, Samhain est également la nuit des sorcières, c'est le nouvel an chez les sorcières, et on dit que durant la nuit de Samhain, le voile qui sépare le monde des esprits et des démons est extrêmement fin, par conséquent, ils vont pouvoir se mêler avec celui des humains. Pour Beltane, c'est exactement le même principe, mais plutôt avec les élémentaux, avec les esprits de la nature, avec les fées, les lutins et tous les êtres féeriques, qu'on appelle également le petit peuple. À l'opposé de Samhain, qui marque le début de la période sombre, Beltane, quant à elle, va célébrer la fin de cette période sombre. Et plus précisément, Beltane va célébrer également l'été. Pour beaucoup, l'été va être célébré lors du solstice d'été, à savoir le 21 juin, mais c'est pas tout à fait exact, puisqu'en effet, le 21 juin va marquer l'apogée de l'été, son point culminant. Beltane, quant à elle, va célébrer vraiment le début de l'été. Nous ne sommes plus au printemps, Ostara marquait le début du printemps, et Beltane va vraiment marquer le début de l'été, puisqu'en effet, à partir de mai, il fait beau, il fait chaud, enfin, il est censé faire beau, il est censé faire chaud, espérons-le en tout cas. Beltane est une fête extrêmement colorée, extrêmement festive, peut-être même la plus festive de tout le calendrier païen, puisqu'on va principalement faire des activités en extérieur, à savoir réaliser des couronnes de fleurs, réaliser des pique-niques, différents jeux, différents rituels, on va allumer des feux sur lesquels on va sauter par-dessus pour manifester plusieurs choses, et on va entre autres réaliser la danse du mât de Beltane, ou également appelé l'arbre de Beltane. Le principe est extrêmement simple, on va sélectionner soit un arbre, soit un mât, et ça va être donc un tronc d'arbre dont on va se débarrasser de ses différentes branches, qu'on va planter dans la terre. Au-dessus du mât, on mettra une couronne de fleurs, et vont venir pendre plusieurs rubans. Chacun va prendre un ruban, et dans une sorte de danse, dans un folklore, dans une chorégraphie bien orchestrée, chacun va danser autour du mât, afin que les rubans puissent tout doucement s'entremêler autour du mât, jusqu'à arriver à la fin, et on va tresser donc les rubans. Ce mât est très symbolique, puisqu'à la fin de Beltane, on ne jette pas le mât, mais on va le récupérer pour Lita, pour réaliser les grands feux de Lita, et on découpera le mât de Beltane qui servira à allumer les feux de Lita. C'est donc un symbole qui est extrêmement fort, extrêmement riche. Le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde n'a pas la chance et l'occasion de pouvoir réaliser un mât de Beltane, hein, puisque c'est quand même quelque chose d'assez grand, comme je vous l'ai dit, c'est un tronc d'arbre qui est planté dans la terre. Alors vous pouvez en faire bien sûr à votre niveau proportionnellement, hein. Vous pouvez simplement planter un grand bâton, le décorer avec des rubans dans votre jardin, c'est assez simple à faire. Sinon, moi je propose cet atelier pour faire un petit mât de Beltane, afin de pouvoir le poser sur votre autel, car vous allez voir, je trouve que le mât de Beltane, de toutes les fêtes, de tous les sabbats, je trouve que le mât de Beltane, il est plein de vie, il est coloré, il est symbolique, pour moi il représente vraiment quelque chose de très particulier, et je suis vraiment très content de faire cet atelier avec vous, de pouvoir le partager avec vous, et vous allez voir que vous n'aurez pas besoin de grand chose, et en plus c'est à petit budget, donc on adore. Alors, pour réaliser ce mât de Beltane, de quoi vous allez avoir besoin? Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment petit budget, vous n'avez pas besoin d'être immensément fortuné pour réaliser un petit mât de Beltane. Je vous ai pris des choses qui sont très simples à trouver, hein. Vous allez dans un magasin de déco et dans un magasin de mercerie et vous allez facilement trouver ce dont vous avez besoin. Tout d'abord, il vous faudra des fleurs. Alors moi, j'ai sélectionné des fausses fleurs, vous pouvez bien sûr faire avec des vraies fleurs, mais le problème, c'est que votre mât ne va durer qu'une semaine, 15 jours grand maximum, si vous conservez bien les fleurs. Là, moi, je veux un mât qui soit permanent, qu'on puisse conserver tout le long de l'année ou même toute sa vie, si on a envie, sur notre autel. C'est pourquoi j'ai sélectionné des fausses fleurs. Libre à vous de choisir les fleurs que vous voulez, les couleurs que vous voulez, bien évidemment. En revanche, je vous demanderai de sélectionner des fleurs qui soient de petite taille, pas trop grosses, parce que si vous mettez des grosses fleurs, comme vous allez voir, c'est un mât qui est assez petit. Si vous mettez des grosses fleurs,
ça va pas être joli, ça va vous prendre beaucoup d'espace. Donc là, moi, j'ai opté pour des jolies petites fausses fleurs. Alors, la première ressemble un peu à des fleurs de cerisier. Je dis bien un peu, hein, ça n'en est pas, mais elles sont de petite taille, elles font environ 1 cm. Et j'en ai choisi qui est une sorte d'imitation lilas, on va dire, même si c'est pas du lilas non plus. Mais pareil pour les fleurs qui ne sont pas trop grosses et surtout pour les couleurs violette et rose, hein, vous savez que ce sont mes couleurs fétiches. Donc vous en aurez besoin de deux ou d'une seule. Là aussi, vous faites la composition que vous voulez. Vous pouvez mettre plein de fleurs de plein de couleurs, des blanches, des roses, des bleus, des jaunes. Vous faites toute la couleur que vous voulez. Soit vous prenez une thématique de couleur, votre couleur préférée. Vraiment, vous faites plaisir. Il n'y a pas de règle là-dessus, hein, qu'on soit bien d'accord. Ensuite, il vous faudra bien sûr le mât à proprement parler. Pour ma part, je me suis dirigé vers une tringle à rideau en bois. Alors ça, c'est facile à trouver, ça coûte pas très cher. La mienne faisait 1,50 m et je l'ai payé 5 €. Donc, hein, comme je l'ai dit, c'est vraiment pas cher. Il nous faut simplement 30 cm, 30 à 40 cm grand max, hein. Faites pas trop grand non plus, parce que plus vous allez faire grand, plus ça va prendre de la place, hein. Mais 30 cm, c'est pas mal du tout. Après, vous n'êtes pas obligé de vous orienter vers une tringle à rideau. Vous pouvez très bien aller chercher un bâton en pleine forêt, hein, ça sera même mieux. Mais le but, c'est qu'il soit le plus droit que possible. Moi, j'aime bien les choses qui sont un petit peu parfaites. Donc, je me suis dit que j'aurais pas la patience de tailler tout mon bois jusqu'à faire quelque chose de bien parfait. Et puis, il faudrait une branche assez épaisse, hein, puisque celle-ci fait environ 3 cm de diamètre. Donc, il faudrait une branche un peu épaisse pour que je puisse la tailler jusqu'à en faire un bâton qui soit bien droit. Donc je me suis dit, je vais pas m'embêter, je vais prendre une tringle à rideau, ça sera plus simple. Si vous aussi vous ne vous sentez pas le courage de faire tout ça, prenez une tringle à rideau, ce sera plus simple. Moi, je vous oriente vers la couleur bois, puisque on est censé faire un mât à partir d'un tronc d'arbre brut, naturel. Donc la couleur bois sera la plus représentative, mais là encore, libre à vous de vous orienter vers autre chose. Si vous voulez un mât de couleur blanche, si vous voulez le peindre, si là encore vous vous faites plaisir, hein. Moi, je vous montre quelque chose d'un peu traditionnel, libre à vous de le customiser et de l'adapter en fonction de vos envies et de vos goûts, qu'on soit bien d'accord. Il vous faudra ensuite un cercle. Alors moi, je me suis dirigé vers un cercle en métal, les cercles basiques qu'on trouve pour faire des dream catchers. Le mien fait, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il fait 15 cm de diamètre. J'en ai essayé plusieurs tailles et le 15 cm est pas mal, parce que au-delà, ça fait un peu gros. Regardez, je vous montre. Ça fait un petit peu grand et gros pour le mât, hein, regardez, si vous prenez plus grand. Si vous prenez plus petit, ça va être peut-être trop petit, parce que quand même, il faut prévoir les rubans et la couronne de fleurs autour. Donc faites pas non plus trop petit, il faut quand même que vous ayez de la place pour pouvoir placer tous vos rubans et toutes vos fleurs. Et trop grand sera pas spécialement joli non plus. Enfin, là encore, vous faites comme vous en avez envie. Si vous voulez faire une grande couronne, vous faites une grande couronne. Si vous voulez faire une petite couronne, vous faites une petite couronne, hein. Cercle de Dreamcatcher, vous en avez pour aller dans un magasin de déco, hein, vous allez au rayon, vous savez les rayons, comment ça s'appelle, art créatif, vous allez en trouver, ça coûte quoi, entre 1 et 3 € grand maximum. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre le cercle en métal, vous pouvez très bien prendre un cercle en bois, type les cercles en bois, vous savez, pour faire de la broderie. Là encore, vous faites même un cercle en carton, si vous voulez même pas dépenser des sous, hein, vous prenez un carton un peu épais, vous tracez votre cercle, ça va très bien et ça coûte rien du tout, hein. Encore une fois, comme je vous le dis souvent, la magie, c'est un peu comme le cosplay. Le but, c'est pas d'acheter un maximum, mais le but, c'est vraiment de prendre les choses les plus naturelles qui soient et de faire au plus simple, hein. On n'est pas là pour dépenser des 100 et des 1000. On est là avant tout pour se faire plaisir et pour faire des choses qui nous plaisent, qui soient jolies, sans forcément vendre un rein et un poumon. Pour la tête du mât, j'ai choisi une boule de tringle, justement, vous savez, les embouts qu'on met sur les tringles. J'en ai pris une qui était assortie à la tringle, hein. C'est quand même mieux de prendre quelque chose qui soit adapté à la taille de ce que vous prenez. Et je l'ai prise blanche tout simplement parce que moi j'ai prévu de la peindre en doré, puisque comme je vous l'ai dit, Beltane, c'est vraiment la fête du soleil, c'est la fête où on célèbre l'été. Donc par conséquent, la boule pour moi en haut du mât est importante, puisqu'elle va incarner et représenter le soleil qui va briller. C'est pourquoi je vais la peindre et je vais vous montrer comment peindre facilement. Après, là encore, c'est moi ce que je veux. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas peindre la boule et la laisser couleur bois, couleur blanc, ou la peindre d'une autre couleur, libre à vous de faire ce que vous avez envie, qu'on soit bien d'accord. Moi, je propose et toi, tu disposes.
Qu'est-ce que serait un mât de Beltane sans tous ces rubans de couleur? Donc là, pour le coup, il vous faudra vous rendre dans votre magasin de mercerie préféré ou même sur internet, hein, vous pouvez en trouver assez facilement. Surtout que vous n'avez pas besoin de plusieurs mètres de ruban. Comme je vous l'ai dit, c'est un petit mât, hein, qui va faire 35 cm environ de haut. Donc 50 cm de ruban par ruban, ça suffira largement. Là encore, libre à vous de choisir les couleurs que vous voulez. Ça peut être des couleurs vraiment typiques de Beltane, à savoir du jaune, du vert, du bleu, du rose, vraiment des couleurs peps qui sont en transition entre le printemps et l'été. Vous pouvez très bien prendre aussi des couleurs pastel, ou alors vous pouvez prendre toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Là encore, faites-vous plaisir. Ça peut être une seule couleur, ça peut être deux couleurs. Vous faites comme vous en avez envie. Moi, j'ai bien sûr pris toutes les couleurs de l'arc-en-ciel parce que je voulais vraiment quelque chose qui soit visuel, qui soit graphique. Donc j'ai pris du rouge, de l'orange, du jaune un petit peu plus pastel, un vert prononcé, un vert un peu plus pastel, un bleu, couleur bleu ciel, j'ai pris un couleur parme lila, un violet, bien sûr, je ne pouvais pas passer à côté du violet, hein, c'est impossible, un rose et puis un blanc. Comme je l'ai dit, pour chacun de mes rubans, j'ai pris 50 cm, ça suffit largement puisque vous allez le voir, le but est très simple. On va se placer au sommet du mât, on va venir coller chaque ruban avec de la colle chaude et le but étant de faire une sorte de soleil. Donc on va disposer tous les rubans comme ceci, je sais pas si vous allez voir. Voilà, de façon à ce que tous les rubans fassent le tour du mât. Et comme vous pouvez le voir déjà, hein, mon bâton fait 30 cm et j'ai 20 cm de plus. Mais il vaut mieux avoir 20 cm de plus parce que n'oubliez pas quelque chose, c'est qu'on va venir poser le cercle comme ceci et les rubans vont venir s'attacher au niveau du cercle. Donc il vaut mieux prévoir un petit peu plus puisqu'il va y avoir donc le cercle qui va représenter une longueur d'avantage, hein. Il faut toujours un petit peu plus long que, à l'inverse, être trop court, hein. Il vaut mieux recouper et avoir du surplus, comme ça on se la joue sécurité. Il vous faudra du fil de fer. Alors ça, le fil de fer, fil de cuivre, peu importe, c'est facile à trouver, toujours dans le rayon loisirs créatifs, hein. Il existe des petites bobines comme ça, moi j'ai pris du fil doré, ça coûte 3 francs 6 sous aussi, et ça va nous servir surtout pour faire tenir le cercle au niveau du mât, autour du mât, ainsi que entrelacer les fleurs et faire tenir toute la structure, hein, puisque c'est le cercle qui va porter absolument toute la structure du mât, à savoir les fleurs et les rubans. Et enfin, il vous faudra un petit socle sur lequel poser votre mât, hein, puisque concrètement, si vous le posez juste comme ça va pas être bien équilibré, hein, donc il vaut mieux partir sur un socle. Là encore, libre à vous de prendre le socle que vous voulez. Ça peut être un disque, un petit disque de bois, un petit disque de pierre, un petit disque en carton. Vraiment, vous cassez pas la tête. Allez au plus simple, hein. Moi, j'ai pris ceci, c'est un truc qui traînait dans mes affaires dont j'avais pas l'utilité, je savais même pas comment j'allais pouvoir le recycler, et ben ça c'est très bien puisque j'ai prévu de le coller à l'intérieur comme ceci et dedans je mettrai un mélange de terre et de cristaux. Peut-être que je planterai des petites graines d'herbes, de fleurs, de choses comme ça, peut-être que ça poussera, je ne sais pas. Mais voilà, je voulais quelque chose qui soit un petit peu vivant, quelque chose qui représente vraiment l'aspect de la terre, hein, puisque le mât il est planté à même la terre et je voulais l'aimant de la terre avec mon mât, donc c'est pourquoi j'ai pris ce petit bac. Libre à vous, hein, de pas suivre mon exemple, de faire autrement, hein. Comme je vous l'ai dit, moi je propose, toi tu disposes, qu'on soit bien d'accord. Et enfin, les dernières fournitures qu'il vous faudra, si vous voulez faire comme moi, sinon vous n'en avez pas l'utilité, qu'on soit bien d'accord, mais si vous voulez par exemple peindre votre petit embout de tringle, il vous faudra du gesso. Alors le gesso, c'est un apprêt qu'on trouve assez facilement, celui-là, moi il sort de chez Action, je crois que c'est 2 ou 3 euros la bouteille, honnêtement, ça fait très très bien le taf, hein. Le gesso, c'est important d'en mettre parce que très souvent les choses sont vernies, comme là le blanc il est légèrement verni, il a un vernis. Donc vous allez légèrement poncer la surface pour que ça puisse mieux adhérer. Vous allez légèrement poncer la surface pour enlever le surplus de vernis. Ensuite, vous allez appliquer votre gesso. Alors le gesso, c'est super simple à appliquer, hein. La texture, elle est entre la peinture et un enduit. C'est-à-dire que c'est pas aussi épais qu'un enduit, c'est pas aussi liquide qu'une peinture, c'est entre les deux. Et vous appliquez tout simplement, vous faites une couche qui soit bien propre, évitez les marques de pinceau. Donc vous lissez, vous appliquez. Je vais pas vous montrer comment on fait de la peinture quand même, je pense. Ça, je pense, pour faire de la peinture, c'est niveau maternel, donc je pense pas que vous ayez besoin de moi pour vous montrer ça.
Et une fois que votre gesso est bien sec, comptez environ une bonne heure pour, enfin une bonne heure, même moins, mais si vous voulez vous assurer qu'il soit bien sec, laissez-le une bonne heure sécher, au moins pas de problème. Et puis après, vous appliquez la peinture que vous voulez. Moi, j'utilise pareil une peinture qui sort, alors non, elle sort pas de chez Action, celle-ci, elle sort d'un petit magasin qui est rattaché à Centracor. Donc à Centracor vous allez en trouver hein, puisque c'est un magasin distributeur Centracor. Pareil, la petite peinture, je l'avais payée je crois 2-3 balles à peine, hein, peinture acrylique dorée, et en plus elle fait super bien le taf, je trouve qu'elle fait un joli rendu doré. Et là vous allez simplement appliquer vos couches. Alors là vous le faites encore une fois selon vos goûts hein. Si vous voulez simplement un petit reflet doré, vous allez appliquer une fine couche légère. Si vous voulez un doré qui soit très marqué, très profond, très épais, là vous allez appliquer plusieurs couches. Attendez bien que la peinture sèche entre plusieurs couches, sinon vous allez avoir des petits désagréments, croyez mon expérience hein. Donc laissez bien sécher les couches de peinture environ une bonne heure pareil. Et personnellement moi pour avoir mon soleil doré, il m'a fallu 3 couches. Je vous montrerai bien sûr à quoi ça va ressembler. Il m'a fallu 3 couches, donc voilà, vous comptez une bonne heure entre chaque couche. Et une fois que votre peinture est appliquée, vous venez fixer le tout avec du vernis en spray. Lui aussi il sort, si je vous dis pas de bêtises, je crois qu'il sort chez Action. Je l'avais payé 4 euros. C'est parfait. Il fait très très bien le travail. Elle sèche en plus super vite. Enfin, il sèche parce que c'est un vernis. Non, il sèche super vite. Il tient très très bien et ça fait parfaitement le taf. Mais comme je vous ai dit, si vous voulez conserver votre... Et encore, vous n'êtes même pas obligé de mettre un embout. Si vous ne voulez pas en mettre, vous n'en mettez pas. Hein. Moi, je vous montre une finition qui est un peu plus jolie pour cacher les rubans, etc. Mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Hein. Voilà. Mais comme je l'ai dit, si vous ne voulez pas le mettre de peinture, vous n'avez pas besoin de tout ça. Hein. Pas besoin du gesso, de la peinture, des pinceaux, tout ça. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Si vous voulez vraiment aller vers un effet qui soit naturel, sans bling bling, sans rien du tout, vous n'avez pas besoin de peinture et de quoi que ce soit. D'accord ? Allez, maintenant qu'on a toutes nos fournitures, on va pouvoir passer au travail. Alors, pour réaliser notre mât de Beltane, on va d'abord commencer par fixer notre mât. Ça sera plus pratique pour travailler ensuite, vous allez voir. Donc, vous prenez votre petit socle, vous prenez votre mât. Moi, je vais utiliser de la colle chaude, comme ça, c'est facile. Attention avec le pistolet à colle chaude, hein, comme son nom l'indique, c'est de la colle chaude. Donc, ça brûle potentiellement. Donc, faites attention lorsque vous manipulez le pistolet à colle chaude. Le but étant de le faire tenir bien droit. Vous êtes bien sûr libre, moi je vais le faire ultérieurement, je vais mettre de la colle chaude et ensuite je mettrai en plus un vis en dessous pour bien le maintenir, même si concrètement je compte pas m'y pendre dessus, donc en théorie juste la colle chaude devrait suffire, mais voilà, on sait jamais, il peut très bien tomber, je voudrais pas qu'il se casse, donc vous pouvez rajouter une petite vis, un petit clou, n'importe quoi pour bien le maintenir droit. Donc on y va, on met la colle sur la partie à coller. On maintient quelques instants pour que la colle chaude puisse bien prendre. Voilà, et notre mât déjà est fixé. Donc vous voyez, c'est largement solide, mais on sait jamais. Hein, il peut très bien basculer, tomber, donc une petite vis, un petit clou en plus, ça peut être bien. Ensuite, on va réaliser la partie la plus chiante du truc. Ouais, non mais si, on va se l'avouer quand même 2 minutes, hein, puisqu'il va falloir positionner tous les rubans au sommet du mât. Donc on va les faire de façon à ce que ça fasse une jolie rosace. Donc on va les entrelacer, enfin les coller les uns sur les autres. Attention à, avec la colle, à ne pas trop en mettre, puisqu'après le but étant de mettre notre petite boule au-dessus du mât. Donc si jamais vous mettez trop de colle, ça risque de faire des épaisseurs et vous risquez d'avoir un problème au moment de mettre votre embout, hein, puisque trop d'épaisseur de colle fera que ça passera plus. Donc on en colle bien en haut et pas sur les côtés, puisque sinon c'est là que vous allez avoir un problème pour positionner votre embout. Donc collez bien en haut du mât, ok? Une fois que tous vos rubans ont été collés au mât, on va pouvoir mettre de la colle au fond de notre embout afin de pouvoir fixer le tout, ce qui fait que les rubans ne bougeront plus ensuite et ça sera beaucoup plus pratique pour travailler avec le cercle. Donc on prend notre embout, on est assez généreux avec la colle chaude. Pas trop non plus, hein, parce que le but n'est pas non plus que ça déborde, mais que vous ayez une bonne couche sur le fond. Et ensuite, hop, on vient tout simplement appuyer. Et voilà,
le plus gros de notre mât est terminé. Maintenant, on va pouvoir simplement mettre notre cercle comme ceci. On va réaliser des petits nœuds, donc on va passer par-dessus le cercle. On va réaliser des petits nœuds comme ceci. Voilà, je vous montre à peu près. Donc ça ressemblera à ça. Et une fois que tous les rubans seront fixés, on n'aura plus qu'à décorer après avec nos fleurs et le mât sera terminé. Comme vous pouvez le voir, c'est un atelier qui est franchement très simple. Hein, si c'est, je pense que là, on est au niveau 1 du loisir créatif. Allez, c'est parti pour réaliser nos petits nœuds au niveau du mât. Donc ça va être la partie aussi assez chiante parce que comme on est seul, alors je vous invite à vous faire assister de quelqu'un qui vous tient le cercle et l'autre qui fixe les nœuds. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir ma maman dans les parages, donc vous allez voir ses mains. Donc comme vous avez pu le voir, je me suis fait aider de ma maman parce que pour positionner les premiers rubans, ça va être un petit peu délicat de le faire tout seul puisqu'il faut à la fois maintenir le cercle et positionner les rubans, et si vous ne le faites pas correctement, votre cercle risque d'être penché comme ça. Donc on essaye de faire quelque chose qui soit à peu près droit. Après, l'avantage de faire des petits nœuds comme ça, c'est que bien sûr vous allez pouvoir, vous voyez par exemple là, on voit que celui-ci il est légèrement trop long, donc c'est pas un problème. Vous allez simplement pouvoir rectifier. C'est pour ça que le but étant de ne pas coller, moi je vous invite à ne pas coller les rubans, parce que si vous les collez et que vous les positionnez mal, vous ne pourrez pas les rectifier après. Donc il vaut mieux faire des petits nœuds, vous ne les serrez pas trop fort et ensuite vous pouvez rectifier au fur et à mesure. Par ailleurs, je vous invite également à faire des nœuds autour de votre cercle, car le but de Beltane, hein, comme je vous l'ai dit, c'est le mât de Beltane ou l'arbre de Beltane. Et le but est justement de prendre des rubans et on va faire des nœuds autour des branches, autour du mât. Et à chaque nœud qui sera réalisé, on va incruster un souhait via ce nœud. C'est pourquoi les rubans de couleur peuvent être très intéressants, car vous allez pouvoir associer des couleurs à vos vœux. Par exemple, le rouge pour l'amour, le vert pour les biens matériel ou pour la santé, le bleu pour votre spiritualité, et à chaque fois que vous allez comme ça faire un nœud à votre mât, eh bien vous allez réaliser un souhait, vous allez incruster un souhait dans votre nœud. C'est pourquoi il vaut mieux réaliser des nœuds si on veut continuer et coller à la thématique vraiment de Beltane. Ainsi votre mât ne sera pas que décoratif, mais il sera un petit peu votre arbre à souhait en plus de ça. Une fois que vous avez terminé tous vos nœuds, vous allez pouvoir ajuster exactement comme vous voulez. Donc c'est le moment pour pouvoir réajuster vos nœuds, les positionner de façon bien géométrique avec le reste. Si vous voyez qu'il y a des rubans comme ça qui sont un petit peu lâches, eh bien vous allez pouvoir les réajuster puisque maintenant votre cercle est terminé, donc il ne risque pas de partir. Et lorsque la structure vous plaît, que vous pensez avoir terminé, on n'a plus qu'à décorer avec nos fleurs. Alors pour cela, très simple, deux écoles. Je vous ai montré tout à l'heure dans les accessoires à avoir du petit fil de fer. Ça, c'est si vous voulez décorer, faire un peu comme une couronne. Sinon, vous pouvez également coller vos fleurs directement sur le cercle. C'est comme vous voulez, là encore, hein, vous pouvez opter pour la solution de facilité avec la colle. Soit sinon, vous tressez vos fleurs pour faire vraiment comme une couronne de fleurs. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de coller mes petites fleurs, ce sera plus simple et également plus rapide. Donc tout simplement, là, faites-le à l'envie et à l'instinct. Hein. Vous positionnez d'abord le plus gros des fleurs et ensuite, vous allez pouvoir ajuster, rajouter des petites fleurs, cacher les petits détails, etc.
Et voilà, lorsque vous avez terminé de poser toutes vos fleurs, c'est assez contraignant, je vous l'accorde. C'est pour ça que moi, personnellement, je vous recommande d'utiliser le pistolet à colle chaude. Ça vous permettra d'aller un petit peu plus vite. Sinon, avec le fil de fer, c'est faisable aussi. Hein. Il suffit d'entrelacer chaque tige. Pour ceux qui ont opté avec la colle, il vous suffit après ou pas. C'est comme vous voulez. Regardez, je vous montre. Vous pouvez après couper toutes les petites tiges qui se trouvent en dessous de la couronne. Vous n'êtes pas obligé, parce que ça peut faire un aspect naturel, comme si on avait vraiment coupé des fleurs et par conséquent les tiges. Moi, je vais quand même couper pour que ça fasse un petit peu plus net. Et après, je vais tout simplement décorer la base de mon mât et il sera terminé. Allez, je vais donc couper toutes mes petites tiges qui dépassent pour que ça fasse un petit peu plus net. Et voilà, notre mât de Beltane est terminé, comme vous pouvez le voir. Hein, voilà, ça fait un rendu qui me plaît beaucoup. Bien sûr, le vôtre ressemblera eh bien, à vos goûts et à vos couleurs. Hein. Si, comme moi, vous avez opté pour un petit socle, eh bien, vous êtes libre de pouvoir mettre ce que vous voulez. Ça peut être, pourquoi pas, des minéraux, ça peut être, pourquoi pas, des papiers à souhait aussi, ça peut être de la terre, pourquoi pas, avec des petites graines, si vous voulez planter quelque chose, mais attention que ça ne fasse pas pourrir votre bois, d'accord, hein, si vous mettez de l'eau, etc. Mais, voilà, votre petit réceptacle peut en plus servir comme petit autel si vous voulez rajouter des petites choses pour célébrer Beltane. Voilà mes chers amis pour cet atelier qui est extrêmement simple. J'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour liker la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne, etc. pour découvrir du futur contenu. En attendant, moi je vous embrasse fort et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous.